Bonjour à tous, c'est Lucky Cigar. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dégustation d'un cigare de République Dominicaine, le Davidoff Sir Winston Churchill, la gamme The Light Tower, le modèle Churchill. Comme son nom l'indique, c'est un Churchill d'une longueur de 17,8 cm et pour un diamètre de 1,9 cm, ce qui nous correspond à un ring de Alors, 48. avant de commencer cette dégustation, je tiens d'abord à m'excuser de ma petite absence. Là, je suis désolé. Bon, et du coup, j'en profite de vous annoncer que maintenant, je sortirai mes vidéos sur une toutes les 2 semaines, pas une toutes les semaines comme je le faisais avant, car je manque un peu de temps et un peu de motivation. Mais bon, ça, je verrai si ça va revenir dans le futur. Mais pour l'instant, je sortirai une vidéo une fois toutes les 2 semaines au lieu d'une semaine habituellement. Alors, maintenant passons à notre intéressé du jour, ce magnifique cigare, ou je veux dire même Churchill, le Davidoff, la gamme Sir Winston Churchill, la catégorie Light Tower. Sachez que la catégorie Light Tower propose des cigares avec des tabacs vieillis en fût de whisky, donc ce qui donne ces arômes de boisé et fumé. Comme un bon whisky. Ça sent vraiment très très bon. Le boisé. Avec le petit côté fumé comme un bon whisky. Alors le toucher, quant à lui, rien à dire. Je sais que c'est une gamme de. La gamme Light Tower de chez Davidoff est une gamme appréciée chez par beaucoup d'amateurs de cigares, mais le seul problème qu'il y a dans cette gamme, c'est que c'est une gamme qui est quand même au tarif assez élevé. Par exemple, pour ce cigare, on dépasse les 30 euros. Je crois que j'ai dû le payer 31 ou 32 euros, je ne me rappelle plus du tout, mais je sais que pour cette vitole, on dépasse les 30 euros. Et je crois que pour les modèles Robusto et Toro, on est entre 25 et 30 euros. Si ma mémoire est bonne. Donc, une gamme de cigares. Assez, je vais dire. Commence à rentrer dans le haut de gamme. Pour moi, dès qu'un cigare il dépasse les 20 euros de budget, bah, pour moi. On rentre dans le haut de gamme. Mais bon, ça c'est tous les Davidoff qui dépassent maintenant les 20 euros. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un Davidoff qui coûtait moins de 20 euros, enfin, en 2024. Mais je sais qu'en 19-20, le Davidoff 2000 coûtait 15-17 euros. Mais avec les augmentations qu'il y a eu, bah, du coup, ça a bien évolué. Bon, et maintenant, passons au pied. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au pied, nous avons le boisé qui vient directement aux narines. Vraiment très très bon. Alors, c'est parti pour couper la tête du cigare. Cigare au passage que je n'ai jamais dégusté. Je m'aperçois que j'ai raté la coupe du cigare. Mais bon, j'espère que ça n'a pas trop d'impact. D'ailleurs, ça peut passer. Bon, c'est parti pour le tirage à cru.
Alors déjà, le tirage cru est très très agréable. Déjà, l'ambiance est humide. Avec de l'herbacée, je cherchais l'arôme. Non, ambiance végétale herbacée. Pas d'herbe sèche, c'est pas un côté sèche, c'est plutôt un univers humide. Voilà, que comme si vous sentez de la mousse en forêt, c'est à peu près ça. Et pour l'allumage, ben, nous allons l'allumer pas au briquet du pont comme j'ai l'habitude de le faire avec cette catégorie de cigares. On va le faire à l'allumette basique, tout simplement. Comme d'habitude, on va prendre son temps pour allumer la vitole. Elle a eu un peu du mal celle-là. Et j'ai un bel allumage. Déjà, on commence par un côté herbacé, mais c'est vraiment léger. Par rapport à l'odeur de la fumée qui est quand même forte, et ben le cigare en première bouffée, ben je le trouve léger. Mais bon, c'est que la première bouffée, on va pas le juger maintenant. Mais déjà, le début est léger. Il y a de l'herbacée, mais l'autre arôme, je n'arrive pas à déchiffrer. Non, c'est pas de la réglisse, non. Je sais pas. Je dirais de la réglisse. Je vais regoûter.
Ah, j'ai trouvé, c'est un cacao amer. Ouais, c'est vraiment un cacao, mais très très amer. C'est pour ça qu'aussi, je sens de l'amertume au fond du palais. Et bah, c'est cette note de cacao amer que j'ai pas réussi à déchiffrer tout de suite. Bon, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve au milieu du deuxième tiers. Pour l'instant, le cigare, rien à dire. Vraiment excellent. Il était léger au début, mais là, il commence à avoir une belle montée en puissance. Pareil, la cendre, rien à dire, magnifique aussi. Aucun problème de tirage, aucun problème de combustion. De bons arômes épicés. Boisé aussi. Donc là, le cigare commence un peu à montrer du caractère. Mais bon, pour l'instant, je me régale. Et j'espère vraiment que ça va durer jusqu'au bout. Et je vais pas en rajouter plus pour ce partie du deuxième tiers. Bon, on se retrouve pour le bilan de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour le bilan de cette dégustation. Parfois, une dégustation qui s'est passée à merveille. Aucun problème de combustion, aucun problème de tirage. Une dégustation qui m'aura duré 2 heures. Mais ces 2 heures ont été d'un plaisir immense. Avec ce Davidoff Winston Churchill Light Tower. Comme d'habitude, avec cette série, les Churchill vraiment jamais déçus. Malgré que ce sont des cigares onéreux, mais ce sont des cigares qui ont une valeur sûre, cette catégorie de chez Davidoff. Bon, principalement, chez Davidoff, c'est bon. Bon, à part une exception que j'ai eue il y a bientôt 2 ans. Non, vraiment, Davidoff, c'est un classique du cigare. Et cette catégorie, la Light Tower, si vous aimez les cigares qui ont du corps, enfin du caractère, bah, allez-y. Et celui-là est vraiment pas mal si vous avez 2 heures devant vous. Il m'aura proposé des épices boisées, végétales, avec un cigare qui a commencé léger, j'ai trouvé, mais qui est devenu corsé au fur et à mesure de la dégustation. Franchement, rien à dire dessus, avec en plus une belle fumée âpre, et aussi qui dégage une forte odeur aussi. Mais comme nous, en attendant le cigare, bah, on adore cette odeur. Et j'ai rien à rajouter de plus, qu'à part si vous trouvez ce cigare, ou pour ceux qui n'ont jamais goûté cette gamme, bah, allez-y. Mais bien sûr, je ne conseille pas du tout aux débutants car ce sont des cigares qui ont du caractère et qu'il peut très vite vous faire tomber malade. Bon, c'est la fin de cette vidéo, de cette dégustation. J'espère que vous l'avez aimé. Bon, comme d'habitude, passez une très très bonne semaine à vous. On se retrouve du coup dans 2 semaines, mercredi à 18h. Et je vous dis à bientôt.